Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yoga Lats, fusion entre le yoga et le Pilates. Cette séance est pensée pour soutenir votre corps dans votre projet de conception en dynamisant votre circulation sanguine afin de permettre à un sang bien neuf et bien oxygéné de parcourir votre système reproducteur. Vous êtes prêtes? C'est parti! Installez-vous à l'arrière de votre tapis, dos bien droit. Les pieds ancrés dans le sol, paumes ouvertes en face de vous. J'inspire, main au ciel, j'expire, main au ventre. Et je recommence, j'inspire, main au ciel, j'expire, main sur le ventre. Et je continue au gré de ma respiration. Je me connecte à mon souffle. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Super. J'écarte mes pieds, légèrement plus ouverts que la largeur de mon bassin, et je descends en squat, fesses en arrière, main en avant, le dos bien droit. Puis je reviens debout, et à ma prochaine inspiration, je descends sur mes cuisses pour faire un squat, comme si je cherchais à m'asseoir sur une chaise. Et j'expire, je reviens debout. J'inspire, je plie mes jambes, je garde le dos bien droit. J'expire, je reviens. Et je continue. Allez, encore une fois. Super, je reste en bas et je vais pulser 10 fois vers le bas. Je pulse, je pulse, je pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. Super, je me redresse. Je retrouve mon souffle, pied largeur du bassin. J'inspire, main au ciel. Et sur mon expiration, je plonge en avant, j'enroule mon dos. J'étends ma colonne, dos bien droit et je bascule en planche, main à l'avant du tapis. J'inspire, je ramène mon front, mon torse et mes genoux au sol. Et sur l'inspire, je prends appui sur mes coudes, je redresse mon torse. Je regarde où mon sternum pointe, mes jambes sont engagées et tout mon corps est mobilisé. Puis sur l'expire, je reviens au sol. Je bascule sur mon côté droit, mes jambes l'une sur l'autre. Je prends appui sur mon coude droit. Ma tête repose dans ma main droite. Quand je suis prête, j'inspire et je lève ma jambe gauche au ciel, pied flex. Je vais le faire 10 fois. J'engage tous mes muscles de mes jambes. Je sens vraiment mes hanches s'ouvrir. Et bien sûr, je n'oublie pas de respirer. Super. Et encore une. Et cette fois, je reste en l'air. Je vais pulser 10 fois ma jambe. Je suis forte dans ma jambe. 3, 2, 1 et je relâche. Pour le prochain exercice, je pointe mes pieds et je vais venir taper mon orteil gauche à l'avant du tapis, puis à l'arrière. Mon torse reste bien droit. C'est mon bassin et ma jambe qui travaillent. À l'avant, je pulse, je pulse. À l'arrière, je pulse, je pulse. À l'avant, à l'arrière. Encore 3 fois. 3, 2, 1. Et je repose. Super. Je plie mes genoux à 90 degrés. Mes orteils sont connectés l'un à l'autre. Je lève mon genou gauche vers le ciel et je le ramène contre mon genou droit à chaque respiration. Mes orteils restent vraiment bien collés. Ce sont les muscles de mes cuisses et mes fessiers qui travaillent. Je les sens vraiment qui sont engagés. Je respire bien. Encore 3 fois. Et la dernière, parfait. J'étends mes jambes, je bascule sur le ventre, je pose ma tête contre mes mains, paume contre le tapis, pied ouvert, largeur des hanches, et je vais venir chercher à décoller mes jambes du tapis. Je vais faire ça 10 fois. Je dynamise bien ma circulation sanguine que j'emmène en conscience vers mon système reproducteur. Mes jambes sont bien engagées, bien fortes. Et je vais faire le mouvement encore 3 fois. Pour la dernière fois, je reste en l'air et je vais tenir 10 petites secondes. Super, je relâche. Génial. Je bascule à 4 pattes pour une série de chat-chien pour me reconnecter à mon souffle. À chaque inspiration, je regarde en face de moi, dos creux. Et à l'expiration, je regarde mon nombril, j'enroule ma colonne vertébrale.
Je bouge vraiment au rythme de ma respiration. Encore une fois. Parfait. On va maintenant refaire le même enchaînement que tout à l'heure. Je bascule sur mon côté gauche cette fois, jambes superposées, ma tête dans ma main gauche, main droite au sol, et quand je suis prête, j'inspire, jambes au ciel, et j'expire, je la ramène. Je vais faire ça 10 fois. J'ouvre bien mes hanches, mes jambes sont puissantes, je respire bien. Et sur la dernière, 10 pulsations. Je pulse, je pulse, je pulse. 5, 4, 3, 2 et 1, je relâche. J'enchaîne sur les tap-tap à l'avant et à l'arrière du tapis, le pied bien pointé, mes hanches sont mobilisées et je n'oublie pas de respirer. Je ne force aucune position, j'écoute vraiment mon corps. Qu'importe où j'en suis aujourd'hui, je fais ce qui me fait du bien là, tout de suite. Super. Je plie mes genoux, genou gauche dans le sol, genou droit en l'air, orteil connecté. Et sur mes respirations, je cherche à reconnecter mes genoux. J'engage vraiment bien mes fessiers dans cette posture. Sur la dernière, j'essaie de tenir quelques secondes. Super, je relâche, j'étends mes jambes et je bascule sur le ventre. Mains l'une sur l'autre, tête contre mes mains. Et cette fois, je cherche à relever mes pieds et mon torse en même temps. Je peux aussi choisir de faire comme tout à l'heure et de lever uniquement mes jambes, même un peu. Je fais vraiment ce que je ressens qui est le mieux pour moi aujourd'hui. J'engage tout mon corps et je n'oublie pas de respirer. Encore 3 fois. 2. 1, je reste quelques secondes engagée et je lâche. Super. Je bascule maintenant à 4 pattes et je vais retrouver ma série de chat et de chien. J'inspire, regard en face. J'expire, regard au nombril. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. J'expire. Posture neutre, dos droit, je bascule sur mes fesses, jambes étendues en face de moi, j'inspire, main au ciel, et j'expire, je plonge en avant. Je cherche à connecter mon ventre à mes cuisses, et qu'importe vraiment où j'en suis aujourd'hui, je peux attraper mes cuisses, mes mollets, mes chevilles ou bien mes pieds, c'est vraiment comme je le ressens aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune compétition, c'est entre vous et vous. Je prends le temps de me connecter à moi-même dans cette posture d'introspection où mon regard pointe à l'intérieur de moi. Et je respire. En douceur, je me redresse. J'inspire, main au ciel, je plie ma jambe droite et sur l'expire, je fais une torsion. Coup de gauche contre mon genou droit, main droite derrière moi, et je prends le temps de respirer. Les torsions sont vraiment idéales en début de cycle pour dynamiser les organes. Puis je reviens au centre et je change de côté. Je plie cette fois mon genou gauche, et à l'expiration, je fais une torsion, coup de droit contre genou gauche. J'inspire et j'expire. Je quitte ma torsion, je reviens au centre, dos bien droit.
Je plie mes genoux, posture du papillon, pieds connectés l'un à l'autre. J'ouvre mes hanches, j'oxygène bien tout mon système reproducteur dans cette posture. Je suis vraiment fermement ancrée dans le sol, puis je bascule en avant et j'enroule mon dos. Et je cherche en douceur à ramener mes genoux au sol, comme s'ils étaient attirés par le sol. Et là encore, je n'oublie pas de respirer, c'est aussi avec ma respiration que je peux permettre à mes hanches de s'ouvrir un petit peu plus. Je me redresse, pieds ancrés dans le sol. Je ramène mes genoux l'un contre l'autre, main sur les genoux. J'inspire, je regarde le ciel dos creux. J'expire, dos rond, je regarde mon nombril. Je fais une variation du chat-chien en restant assise. Et je me connecte vraiment à mon souffle. J'inspire, je regarde le ciel. J'expire, dos rond. Et je bouge au gré de ma respiration. En douceur, je retrouve une posture neutre. En m'aidant de mes mains qui appuient contre mes ischio-jambiers à l'arrière de mes cuisses, je bascule au sol, vertèbre après vertèbre. Et je ramène mes genoux contre moi, je les enlace comme si je voulais me faire un gros câlin. J'envoie mes pieds vers le ciel, voûte plantaire qui regarde les nuages ou le plafond si vous êtes à l'intérieur. Genoux ouverts, hanches ouvertes. Le bas de mon dos reste fermement ancré dans mon tapis. Et je cherche à attraper mes pieds avec mes mains ou bien mes tibias. Je respire, je sens comme mes hanches s'ouvrent. Et je peux prendre le temps de visualiser tout mon système reproducteur, bien rouge, bien oxygéné. Je quitte la posture, je connecte mon genou droit à l'arrière de mon genou gauche, mes mains entrelacées pressent mon genou droit et je détends mon corps. Super, je change de côté, genou gauche à l'arrière du genou droit et je respire. Je me détends. Je profite de ces dernières postures pour me connecter à mes ressentis. Je ramène mes genoux l'un contre l'autre, je me fais un gros câlin, puis j'allonge mes jambes, Shavasana. Je suis relâchée dans le sol, paumes ouvertes vers le ciel, et j'autorise mon corps à se détendre. Je ramène mes mains contre mon ventre, je me connecte à mon système reproducteur, à ce bébé que j'attends. Je peux être fière de m'être accordé ce temps, d'offrir à mon corps cette séance. Avec tous ces mouvements, j'ai permis à tout mon sang d'être bien oxygéné, à mon utérus d'être l'endroit le plus agréable possible pour ce bébé que j'attends avec tant d'amour. Sous mes mains, je l'imagine, ce système reproducteur. Je vois comme il est chaud, que chaque cellule est bien rouge, brillante. Toutes les conditions sont réunies pour que mon bébé se sente bien. Je sais que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir mon corps. Je crée une maison incroyable pour ce bébé que j'attends avec impatience. Thank you.
Doucement, je me reconnecte à mon souffle. Je sens chacune de mes inspirations, chacune de mes expirations. Mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. En douceur, je réveille mes extrémités, je bouge mes pieds. Je ramène mes mains de part et d'autre de mon corps. J'ouvre mes yeux, je regarde autour de moi. Je m'étire, puis je bascule en fœtus sur le côté pour me redresser en douceur. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette séance de Yoga Lats. Si vous êtes à la recherche d'outils concrets pour soutenir votre corps dans ce projet bébé, je vous invite à découvrir mon programme d'automassage de la fertilité. Il vous permettra d'apprendre tous les mouvements de massage indispensables que vous pourrez faire toute seule, chez vous, à votre rythme. Le pack vidéo est accessible dès votre achat et de manière illimitée sur tous les supports, que ce soit votre portable, votre tablette ou bien votre ordinateur. Je vous envoie toutes mes belles ondes pour la suite de votre parcours. À bientôt. Namasté.